Une sorte de mythe dont on parlait entre nous, entre flics, quand on n'avait pas d'autre chose à faire. Le noyau dur de la Brise de Mer, c'est pas plus de 9 à 10 personnes. On m'a donné deux fois deux coups de crosse sur la tête. Il y avait un véritable climat de terreur. Il était calmement en train de braquer le cockpit de l'avion. Il y a d'un côté une criminalité extrêmement organisée et de l'autre côté des institutions faibles. La victime, âgée de 49 ans, est présentée comme étant une figure du grand banditisme. Ils ont imputé beaucoup d'affaires, mais les quelques affaires dont ils ont eu à répondre, du moins pour certains, se limitent à 3 ou 4. Tout a commencé ici, dans un bar, sur le vieux port de Bastia. Dans les années 80, une bande de jeunes bastiais de bonne famille rêvent d'adrénaline et d'argent facile. Ils enchaînent les braquages, commettent des vols spectaculaires en plein ciel, cambriolent les banques. Ils vont investir dans des boîtes de nuit, l'immobilier, petit à petit prendre le contrôle de l'économie et du territoire. Ils exercent des pressions sur la police, la justice, les élus et imposent leurs lois en Corse et au-delà. Le 28 octobre 2019, Aix-en-Provence. Le procès de l'assassinat de Richard Casanova, baron de la Brise de Mer, s'ouvre devant la cour d'assises. Claude Chaussat, ex-petite main du gang Bastier, comparé pour meurtre, sous haute surveillance. Allez, on recule. C'est le procès d'un homme, mais pas seulement. C'est aussi le procès de près de 40 ans de l'histoire du banditisme. Chaussat n'est pas un accusé ordinaire. C'est une ancienne petite main de la Brise de Mer. Le statut de repenti lui a été refusé, il craint pour sa vie. Car en 2009, cet homme a décidé de divulguer les secrets du gang. Au départ, c'était surtout l'argent des vols à main armée qui a été réinvesti. C'était quand même la Brise de Mer, une des plus grosses équipes de France, qui a tapé les plus grosses affaires de fourgons, l'UBS de Genève, donc qui a généré énormément de cash à l'époque qu'ils ont pu réinvestir. Début des années 80, la Brise de Mer, c'est le nom d'un bar sur le vieux port de Bastia. Un bistrot quai de la Marine, aujourd'hui rebaptisé le Méditerranée. Dans l'arrière-salle, une dizaine de jeunes bastiais de bonne famille s'y retrouvent souvent. Il y a là Pierre-Marie et Francis Santucci. Francis et Angelo Guazzelli, Maurice Coste, Robert Moracchini, Georges Siatté, les Francis Marianne et Richard Casanova. Ces gens, ils sont pas nés voyous. Il n'y a pas de revanche sociale, c'est pas atavique. C'est un vrai choix de vie. D'ailleurs, si on prend les exemples, par exemple, Georges Siatté, qui est un des membres fondateurs, avec Francis Santucci, dans la famille, il est fils et petit-fils de notaire. On trouve même dans sa parenté des gouverneurs de l'époque coloniale. Quelqu'un comme les frères Guazzelli, par exemple, leur mère, elle est institutrice. Ou encore le père de Robert Moracchini, il travaillait au Trésor public. Donc on n'est pas avec des gens qui sont nés dans la violence, etc. Dans la nuit du 10 septembre 1981, Louis Memmi, qui contrôle de nombreuses machines à sous, est tué devant son restaurant à Corté. Il revenait de la foire du Gnôle. Alors moi, je suis arrivé ici le matin, il était 5h du matin, avec mon frère et ma mère. Et j'ai trouvé mon oncle au pied de l'arbre, là. Voilà, là où il y a le comptoir maintenant. On lui avait tiré dans le dos, là, sur l'escalier. Il avait fait face à son meurtrier. Et je pense même qu'il s'était défendu, avait dû tirer deux coups de revolver. Et on avait trouvé le fusil du meurtrier, le fusil que le meurtrier avait abandonné là. Voilà.
Mon oncle avait une certaine emprise sur le milieu local, si vous voulez. Il était considéré un peu comme une sorte de parrain. C'était un homme qui était craint par sa personnalité. C'était un homme qui ne se laissait pas compter fleurette et qui ne se laissait pas marcher sur les pieds. La classe. Alors ça, c'est mon oncle lui-même, mais 15 jours avant qu'il se fasse assassiner. Voilà. Quelques jours avant sa mort, Louis Memmi a pris parti pour Daniel Zilioli, un propriétaire de boîte de nuit sur la plaine orientale. Un homme de 32 ans, en conflit avec des jeunes membres d'une équipe bastiaise que l'on appellera bientôt la Brise de Mer. Les gens disaient que mon oncle avait les rênes de la Haute-Corse. Voilà. Et il maintenait. D'ailleurs, il n'y avait pas de meurtre quand mon oncle était vivant. Hein. Tout se réglait à l'amiable, comme avant. Hein. Tout a pété, tout a explosé en l'air quand mon oncle est mort. Hein. C'était le départ de la Brise de Mer, l'élément déclencheur de la Brise de Mer, hein, la mort de mon oncle. Voilà. À qui a profité le crime? Quelqu'un doit le savoir. Hein. Il y a eu des empires bâtis. Hein. Les mois qui suivent verront tomber la plupart des fidèles de lui-même. À un moment donné, si on veut un voyou, il doit aussi prendre le contrôle d'affaires. Et en effet, ce moment fondateur où ils vont, semble-t-il, être derrière la disparition d'un parrain un peu à l'ancienne, lui-même, qui protégeait ici une boîte de nuit, ici des affaires de nuit, de restaurants, de bars, etc. C'est évidemment le moyen d'avoir l'emprise et le contrôle criminel d'un territoire. C'est de se débarrasser de personnes qui peuvent leur résister. Et c'est vrai que c'est la date de naissance de la Brise de Mer. Les attaques à main armée se multiplient. Le premier gros coup est le Crédit Lyonnais de Bastia durant le week-end de Pâques 1982. 31 coffres ouverts, butin, 30 millions de francs. La vraie victime dans l'affaire, ce sont d'une part les clients, mais aussi la concierge de la maison, vous allez le constater. Quand on est monté, on a vu une ombre, je croyais que c'était des gosses qui s'amusaient. Je suis descendu avec la lampe parce qu'il n'y avait pas de lumière. C'était pas des grosses. C'est à ce moment-là qu'on m'a donné deux fois deux coups de crosse sur la tête. Et j'ai été allongée par terre, après, j'ai rien vu. Vous voyez ? C'était dans le noir. Centre PTT, agence bancaire, transport de fonds, les braquages s'enchaînent partout en France. La Brise de Mer attaque à l'aide de postiches, accessoires utilisés par un groupe de Belleville. Les grosses actions ou la grande activité de ces gens-là se situe après 82, où il y a donc une prolifération des banques, et puis c'était braquer et vivre au pays aussi, bien qu'ils ne faisaient pas que des braquages en Corse. Pas une semaine sans braquage. Mais que fait la police? Le commissaire Broussard, tombeur de Messrine, arrive en Corse. Les attentats du FLNC font rage. Ils servent d'écran de fumée aux braqueurs. Certaines brigades de gendarmerie consacraient tous leurs moyens à se protéger elles-mêmes contre les attentats. C'est-à-dire que ces brigades ne sortaient, les membres de ces brigades ne sortaient pas de leurs locaux. Ils protégeaient leur structure, c'était leur activité principale. La police judiciaire alerte sa hiérarchie sur l'émergence d'un gang redoutable. En 5 ans d'activité, la Brise de Mer n'est jamais inquiétée. C'est un meurtre qui va conduire les membres de la Brise de Mer devant la justice. Le 14 septembre 1982, Daniel Zilioli sort de son entrepôt. Il est abattu de 9 balles de 11.43. Le commando prend la fuite. Il s'arrête sur un pont qui enjambe le Golo. L'un des passagers sort de la voiture et jette un paquet à l'eau.
sous les yeux d'un policier. Un policier se trouvait là par hasard, non pas sur le lieu du crime, mais qui circulait vers Bastia et qui, suivant une voiture, a vu une manœuvre douteuse de ce que l'un des occupants avait jeté par-dessus bord et en dessous du fleuve du pont de Casamotz, une arme. Quand le policier croise la voiture sur la route, il dit à son camarade dans la voiture, mais c'est pas un tel, je sais plus quel est le nom, vous allez peut-être le retrouver. Il dit, mais non, il est incarcéré. Et l'autre lui dit, t'es sûr? Et ils apprennent qu'en fait, alors est-ce que c'est à ce moment-là ou en rentrant à la PAF, je ne sais plus, parce que c'était la PAF, hein, de mémoire. Mais ils apprennent qu'en fait, le type en question était sorti la veille. Et c'est à ce moment-là que, faisant la relation entre le fait qu'il était sorti de prison, que c'était bien lui, et qu'ils avaient balancé quelque chose par-dessus le bord, ils apprennent qu'il y a eu un double assassinat, et donc ils vont rechercher l'arme. Enfin, ils vont rechercher le paquet dans la rivière, et ils retrouvent l'arme de cette manière. En fait de paquet, il s'agit d'un blouson dans lequel se trouve le Colt 45 qui a servi à tuer Daniel Zilioli. Le brigadier identifie très vite les trois hommes qu'il a vus dans la voiture. Il s'agit de Pierre-Marie Santucci, Robert Mouracchini et Georges Ciatelli. Ils sont incarcérés quelques jours plus tard. L'ouverture ce matin à Dijon du procès en assises des auteurs présumés de l'assassinat le 14 septembre 82 de Daniel Zilioli. Pour éviter les risques de pression sur les jurés, le procès s'ouvre le 28 mai 1985 à Dijon, loin de Bastia. On nous avait expliqué tout de suite que si l'affaire se passait à Bastia, elle était pliée d'avance. Donc on nous avait demandé dans quelle mesure ce serait possible de la faire dépayser. Je suis donc allé voir Arpéange, à qui j'avais expliqué la situation en détail, avec à l'appui un rapport des renseignements généraux, qui était un blanc d'ailleurs, mais qui était très évocateur et très complet. Et il avait été suffisamment convaincant pour qu'Arpaillange, après avoir fait lui-même faire ses propres investigations, j'imagine, ait effectivement ordonné le dépaysement. Le policier qui avait reconnu Robert Mouracchini a soudainement des doutes. Il n'a reconnu personne. Tout le monde avait perdu la mémoire entre les dépositions à l'instruction et les dépositions à l'audience. Il n'y avait pas de raison que ça ne touche pas le policier aussi, tout le monde. C'est vrai qu'il y avait, il y avait pas mal de monde à l'audience. C'est vrai qu'il y a eu rarement autant de Dijon, de Corse à Dijon. Hein, bon. Donc il y avait un certain nombre de camarades de nos clients. Mais ces pressions directes sur les jurés et les magistrats, moi je n'en ai jamais eu de preuve. Même les footballeurs du Sporting de Bastia assurent qu'ils jouaient au foot avec les accusés au moment des faits. Mes confrères étaient, je dois le dire, complètement paniqués, extrêmement angoissés. Ils m'avaient clairement dit, nous on te laissera plaider le dossier, nous on plaidera le contexte. Ils plaidaient cette belle île qu'est la Corse, ils ont plaidé leur client, la famille du client. Bref, ils ont plaidé tout sauf le dossier. J'étais seul à plaider le dossier. Il y avait un véritable climat de terreur. Au moment du verdict, c'est l'acquittement général. Le peu d'ennuis judiciaires, l'estime qu'ils ont gagnée et leur réseau vont permettre à la Brise de Mer d'organiser des coups spectaculaires. Genève, ville des comptes secrets et des fortunes du monde entier. L'UBS, la plus grande banque de la ville. Le 25 mars 1990, cinq hommes se présentent à l'entrée de service. Les gangsters neutralisent les alarmes. Ils connaissent les combinaisons des coffres, les ouvrent les uns après les autres.
Il jette les francs et les dollars dans de grands sacs de sport. L'un d'entre eux a été laissé sur place, trop lourd à porter. Il s'enfuit avec 220 kilos de billets, 35 millions de francs suisses, 25 millions d'euros. Les gangsters étaient bien renseignés. Quelques mois plus tôt, ils avaient rencontré Michel Ferrari, un prof de tennis marié à la secrétaire de direction de la banque. J'avais mon ami qui m'a donné les renseignements, qui travaillait dans la banque. Et en plus, j'avais les Corses que j'avais connus. Ils devaient passer des milliards de lire. Et je les ai connus par l'intermédiaire de Georges Tiraboschi. Et puis en parlant avec eux, je leur ai posé la question s'ils pouvaient faire autre chose. Ils m'ont dit oui, on peut faire des braquages. Alors je lui ai dit peut-être que je vais quelque chose pour vous. C'est l'entrée. Une répétition générale a eu lieu quelques jours plus tôt. Il y avait Jacques, Joël, Richard et Alexandre. Et moi, j'attendais devant dans l'allée là, pour voir ce qui se passait. Ils sont restés plus d'une heure à regarder, ouvrir les coffres. On avait les numéros, les codes pour pouvoir voir les alarmes, si elles fonctionnaient, tout. Ils sont sortis une heure après. On a même pu le faire là, le hold-up. Mais comme il n'y avait pas assez d'argent dans les coffres, on a dit on le fera plus tard. Il y avait 15 millions seulement. Et là, le hold-up s'est fait avec plus de 30 millions. Michel Ferrari, c'est lui qui va permettre à la police de remonter la piste jusqu'au complice corse. Il n'a pas reçu sa part du butin et règle ses comptes. Arrêté, il raconte tout. Un Corse, un certain Benedette, dit Dédé le Chinois, lui a demandé des renseignements sur l'UBS. Puis, il a rencontré ses futurs complices. Une photo est prise par un de ses amis lors du rendez-vous. On y voit Jacques Patakine et Alexandre Chevrière, deux membres de la Brise de Mer. Une interpellation en douceur hier soir à Cap 3000 à Nice a permis l'arrestation de Jacques Patakine et de son frère Jean-Louis. Deux ans plus tard, les frères Patakine y sont arrêtés à Nice dans un centre commercial. On est en surveillance avec la BRI sur une équipe qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on parle aujourd'hui. Et j'ai un ou deux collaborateurs de l'équipe qui me disent il nous semble qu'on vient de croiser les frères Patakini dans le centre commercial. Alors, je dis, vous êtes sûr ou pas? Parce que moi je les avais en photo, mais je n'ai jamais vu. Et on envoie quelqu'un qui avait travaillé sur eux à une époque. Et il m'appelle et il dit ouais, non, c'est eux, c'est sûr. En fait, ils étaient en famille. Ils étaient dans un. Alors, sans me souvenir qu'ils étaient en train d'acheter des lunettes ou des lunettes de soleil comme ça, on les a interpellés par le plus grand des hasards, comme ça. Dédé Benedette, lui, se cache dans un appartement Bastier. Je lui ai dit où étiez-vous pendant toute cette période? Et il m'a répondu j'étais dans ma machine à laver. Et je lui ai dit, mais qui faisiez-vous? Et il m'a répondu, je blanchissais. Bon, éclat de rire général dans la salle. Tout ça a donné une coloration à ce procès tout à fait fantastique. La police sait que certains complices courent toujours. Richard Casanova, un baron de la Brise de Mer, aurait commandité le casse. Et c'est intéressant ce coup-là, parce qu'ils vont en effet voir que, en tout cas étudier la faisabilité, ils vont le faire. L'organisation, elle va être de nouveau militaire. Et c'est vrai qu'on a beaucoup prêté ce rôle-là d'organisateur à Richard Casanova. Les gens qui vont préparer le coup ne sont pas ceux qui vont le faire. Autre règle intangible de la Brise. Et même si celui qui va donner le coup, à un moment donné, va se retourner, va être un peu le dindon de la farce parce qu'il ne va pas toucher sa part, 98%, 99% de la somme dérobée ne sera jamais retrouvée. Des témoins qui se rétractent, de nombreuses zones d'ombre, l'enquête a du mal à avancer. 14 ans plus tard, le procès s'ouvre enfin à Paris. Jacques Patakine et André Benedette, Joël Patakine, accusés d'avoir fait disparaître 20 millions d'euros des coffres de l'UBS le 25 mars 1990, se sont présentés à la cour d'assises de Paris aujourd'hui.
Le commanditaire présumé Richard Casanova est toujours en cavale. Seuls 3 témoins sur 12 se présentent à la barre. On s'aperçoit aujourd'hui que les citations n'ont pas été, pour certaines, délivrées à leur adresse, pour d'autres, délivrées à l'adresse d'un autre, et que ces citations sont donc totalement irrégulières, ce qui rend difficile, voire impossible, la présence de ces témoins à l'audience. Michel Ferrari, le principal accusateur, n'est pas là non plus. Le dossier est aussi vide que les coffres de l'UBS. Les accusés sont tous acquittés. Lorsque l'arrêt d'acquittement a été rendu, j'ai vu les deux frères Patacchini, au demeurant tout à fait sympathiques, venir me voir en me disant « Monsieur l'avocat général, sans rancune, avec un grand sourire », et je leur ai dit « Surtout, ne recommencez pas ». Et ils sont partis, vous voyez, pour vous montrer l'ambiance qui existait. Personne ne doutait réellement qu'ils ne fussent pas impliqués dans ce CAF. Mais c'était comme ça, on n'avait pas mis à la disposition de la cour d'assises les moyens nécessaires pour qu'elle puisse condamner. L'argent de l'UBS ne sera jamais retrouvé. Tout comme les millions d'euros de la Banque de France, envolés dans un autre CAF spectaculaire, le 17 juillet 1991. Ce jour-là, à Orly, les policiers sont perplexes. Les 5 millions de francs contenus dans un sac convoyé par l'avion Bastia-Paris ont disparu. Un vol à 10 000 mètres d'altitude, réalisé par un véritable mont-en-l'air. Les billets ont été remplacés par du papier. Quand ont-ils été volés ? Au départ, à l'arrivée, la liste des passagers est vérifiée. Une malle de 70 kilos se trouvait dans la soute. Un passager qui, bien évidemment, a donné une identité invérifiable parce que fausse, a embarqué une malle suffisamment lourde pour imaginer que dans celle-ci se trouvait une personne. Et on a quelques chances de penser, ou en tout cas quelques sérieuses vraisemblances de penser, qu'il y a eu donc vol au cours même du vol de l'avion entre Bastia et Paris. Dans la soute, le voleur disposait d'une heure de vol pour transférer l'argent de la Banque de France dans d'autres bagages. Autre coup rocambolesque, celui du hold-up en hélicoptère sur l'aéroport de Bastia. Le 11 août 1992, des touristes ont loué une alouette 2 au sud de Bastia. Des clients arrivent, je veux dire déguisés en touristes, lunettes de soleil, cheveux longs, casquettes, short, petit sac, caméscope, comme à l'époque. Bon. Donc, on installe ces gens dans l'hélico, et l'hélico s'envole avec mon pilote. Et c'est dès l'instant où l'hélico était en l'air qu'une des personnes a sorti un pistolet de son sac caméscope, on va dire, et a braqué mon pilote, lui a mis le pistolet sur la tempe. Au même moment, sur le tarmac de l'aéroport, les passagers du Mercure à destination de Marseille s'installent dans l'avion. Ils attachent leur ceinture de sécurité. L'avion emprunte la piste centrale. Tout d'un coup, un hélicoptère surgit et se pose devant l'avion. Trois hommes armés descendent de l'appareil, l'un d'entre eux braque le cockpit de l'avion, les deux autres ouvrent la soute et s'emparent d'un sac. Celui qui était à côté de moi qui avait le fusil à pompe était calmement en train de braquer le cockpit de l'avion et les deux autres sont partis en soute chercher donc le butin, ça a duré 30 secondes, ils sont venus, on est reparti sur la mer. Un gars avec une mitraillette, tous en cagoule. Et alors ils ont arrêté l'avion et ça a été vraiment en 2 minutes. Ils étaient combien ? Ils étaient, je suis sûr en avoir vu un, mais à mon avis il devait être 4. D'après les autres témoignages. On allait partir, l'avion allait prendre son envol et juste au dernier moment, l'avion a stoppé net.
On n'a pas su ce qui se passait et environ 2-3 minutes après, il y a le commandant de bord qui nous a expliqué qu'on est juste de se faire braquer par des gens cagoulés et qui avaient dérobé des objets de valeur dans la soute à bagages à l'arrière de l'avion. Les braqueurs repartent aussitôt à bord de l'hélicoptère. Très intelligemment, ils sont allés se poser en bordure de National, où une voiture les attendait. Ils ont attaché mon pilote avec des menottes à son patin d'hélicoptère. Et ils se sont mis dans le flux des voitures, et puis voilà. Le sac contenait 7 millions de francs. Une fois encore, les gangsters étaient bien informés, une organisation minutieuse et sans faille. La brise de mer est richissime. Elle possède des boîtes de nuit, les plus belles d'Europe, des cercles de jeu, des comptes bancaires à l'étranger. De nombreux biens acquis grâce à l'argent du crime. Entreprises de bâtiments, yachting, bars-restaurants, l'approvisionnement de l'île en café. Ils ont, par principe, la volonté de réinvestir dans l'économie officielle, dans l'économie réelle, et l'on a vu, effectivement, à l'époque, dans une société qui avait du mal à trouver du financement, c'était très difficile à l'époque de trouver officiellement, d'une manière claire et limpide, du financement, et donc cet argent facile, injecté dans l'économie locale, a pu être rapidement blanchi dans des activités tout à fait normales et respectables. La brise de mer fait régner sa loi. En Corse, pour ouvrir un commerce, il faut aller demander l'autorisation à un de ses chefs. La brise de mer, quand elle... au moment de sa toute puissance, il fallait aller au Café Riche à Bastia pour demander la permission. Est-ce que je peux faire cette affaire-là? Ça vous dérange ou ça vous dérange pas? Il y a un petit problème là. Ça veut dire que ce pouvoir parallèle, c'est lui qui décide. Les promoteurs venaient d'eux-mêmes en disant voilà, on a un projet à faire, si on a votre protection, vous rentrez en part sur le projet. Et ils savaient que leur projet irait au bout, ils savaient qu'ils ne seraient embêtés par aucune autre équipe de voyous qui aurait pu venir eux les racketter. C'était la protection qui se faisait naturellement. Des pans entiers de l'économie sont aux mains de la brise de mer. Le patron de la PJ charge un policier, le commissaire Gréard, d'engager des recherches sur la surface financière du gang. Ce fonctionnaire a travaillé correctement, beaucoup. Il ne ménageait pas ses voyages et ses recherches. Et il était parvenu à identifier à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais à peu près 300 comptes bancaires de l'équipe et identifier une cinquantaine ou 60 société civile, immobilier SCI ou SARL, etc. C'est-à-dire qu'après les braquages, il y avait des investissements en Corse. Ce n'était pas l'économie souterraine dont certains voulaient prétendre, mais disons que les gens investissaient et mettaient de l'argent de côté. Cet extrait du rapport que nous nous sommes procurés évoque des centaines de comptes bancaires, une cinquantaine de sociétés et des circuits de blanchiment. Une note policière de 1998 constate que certains biens immobiliers ont été acquis dans un temps qui pouvait correspondre à l'écoulement du butin de l'UBS. Arme fatale contre la brise de mer, où est passé le rapport Gréard ?
pour moi, il s'agissait de rapports de synthèse faits par la direction centrale de la police judiciaire sur la criminalité en Corse et notamment sur la dimension financière de cette criminalité. Donc j'ai demandé ces éléments au directeur du SRPJ d'Ajaccio qui m'a fait savoir qu'il n'était pas habilité à me communiquer de tels éléments, que je devais me rapprocher du directeur adjoint de la DCPJ, à l'époque M. Marion. J'ai contacté celui-ci qui m'a fait savoir que c'était sans intérêt, qu'il s'agissait simplement de petits documents bancaires sans aucun intérêt. Roger Marion était alors adjoint du directeur central de la police judiciaire. Contacté, il n'a pas souhaité s'exprimer. Les notes concernant les finances de la Brise de Mer ont disparu. Je me suis adressé au directeur central de la police judiciaire qui, après un laps de temps assez important, m'a fait savoir qu'il n'avait pas retrouvé de rapport, que ces rapports, pour lui, n'existaient pas. Donc, j'ai signalé ces faits à Mme Guigou, garde des Sceaux, qui m'avait mandaté pour élaborer ce rapport. J'ai eu également un grand silence de la part du ministère de la Justice. Des braquages au blanchiment, la Brise de Mer a su traverser les années sans souci. Seuls quelques-uns de ses membres ont été inquiétés par la justice. Le groupe doit sa force à des règles strictes. Tant qu'ils les respecteront, en fait, ils seront quasi invulnérables. Donc les règles, c'est une solidarité absolue. C'est-à-dire, si on touche à un, tout le monde est solidaire de la réponse à apporter. Toutes les décisions sont prises de façon collégiale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires de coups, par exemple, décidées sans que l'ensemble du noyau dur de la Brise de Mer soit d'accord et participe à la décision. Vous avez un fonctionnement en doublette, c'est-à-dire qu'au sein de ce noyau dur, ils fonctionnent deux par deux. Ils font que des coups qui sont donnés, ils ne sont réalisés que s'ils détiennent l'information de l'intérieur, que s'ils ont un complice à l'intérieur. Il n'y a pas d'héritier. Chaque membre de la Brise de Mer peut faire ses affaires, mais à condition qu'il les reverse dans un pot commun, et ensuite c'est divisé à part égale entre les membres du noyau dur, etc., etc. Donc ce sont des règles qui leur ont permis non seulement de dominer la Haute-Corse, mais aussi d'être considéré comme un des grands groupes criminalo-mafieux européens. Le 5 juillet 2000, à Sartène, l'état-major de la Brise de Mer, une dizaine d'hommes en tout, est réuni place Porte. Francis Mariagne, Pierre-Marie Santucci, Maurice Coste et deux autres complices marseillais, Alexandre Chevrière et Éric Maran, discutent sur un muret. Soudain, des gendarmes arrivent, alertés par un restaurateur qui se dit victime de raquettes. L'un des hommes se débarrasse d'un sac, retrouvé en contrebas. À l'intérieur, un pistolet, des talkie-walkie et 60 000 francs en espèces. Les cinq hommes repartent dans le fourgon des gendarmes. Un sixième homme, Richard Casanova, se serait enfui. Que faisait-il à Sartène ? Les barons de la Brise de Mer seraient-ils tombés pour une vulgaire affaire de raquette ? Personne n'y croit. Le groupe de la Brise de Mer était ce jour-là à Sartène pour venger la mort d'un autre membre de la Brise, Dominique Routilly. Et en fait, ils étaient ce jour-là à Sartène pour exécuter un dénommé Robaglia. Et ils se sont rendus dans une pizzeria. Le gérant de la pizzeria a pris peur parce que son fils avait eu des histoires en prison avec des gens proches de la Brise de Mer. Et c'est lui qui a appelé les gendarmes qui ont monté un stratagème de toutes pièces. Je pense que la raison pour laquelle ils étaient à Sartène, on ne l'a jamais su.
Est-ce qu'ils allaient commettre un délit? Est-ce qu'ils allaient commettre un crime? Rien ne le démontre. Francis Marianne, Pierre-Marie Santucci et Maurice Coste sont incarcérés à Borgo. Un sacré coup de filet. Entre les murs de la prison, les pontes de la Brise de Mer règnent en maître. On voit ici Pierre-Marie Santucci en t-shirt bleu marine, flouté, jouer à la belote dans la bibliothèque de la prison transformée en tripot. Son séjour derrière les barreaux ne s'éternise pas. Le 31 mai 2001, les greffes de la prison de Borgo reçoivent une télécopie. En apparence, c'est un ordre de libération provenant du juge d'instruction. Il concerne Francis Marianne, Pierre-Marie Santucci et Maurice Coste. La télécopie est bourrée d'erreurs. La direction n'a pas vérifié. C'était fait à 18h. En général, le juge, à cette heure-là, est parti de son cabinet. Donc, ça a été fait volontairement à cette heure-là pour que la personne, je suppose, ne puisse pas se renseigner auprès du juge. Il est certain que les trois personnes en question ont bénéficié de complicité extérieure, avec des procédés extrêmement raffinés de falsification d'ordre de mise en liberté préexistant. Il y a eu un travail de faussaire assez sophistiqué, d'une part. D'autre part, le fax était censé émaner d'un établissement hôtelier situé dans la région d'Aix-en-Provence. Ça n'est même pas certain. Il est possible qu'il ait été fabriqué ailleurs, y compris au pays. D'un pas tranquille, les trois hommes sortent par la grande porte. Une première dans l'histoire de l'évasion. Il n'y a aucune évasion. Ça n'a pas été retenu, ils n'ont rien en lieu. Les policiers se mettent à la recherche de Francis Marianne. Il est arrêté 6 mois plus tard dans le centre de Lille. Mais entre-temps, au palais de justice d'Ajaccio, le dossier de l'affaire de Sartène a disparu, risquant d'annuler le procès. On avait été informé de la disparition d'une partie du dossier de l'instruction. Mais comme vous le savez bien évidemment et heureusement, il y a toujours une copie certifiée conforme et c'était un morceau de la procédure. Nous avons là les personnages les plus importants qui sont à l'origine même de la création de cette organisation criminelle. Et donc le président du tribunal avait désigné un deuxième juge d'instruction pour aider, pour instruire à deux un dossier quand même difficile, notamment par la personnalité des intéressés. Et donc, ce magistrat avait fait un double du dossier, que apparemment les voleurs ne savaient pas qu'il y avait un autre exemplaire. Ce qui fait que cet autre exemplaire a permis au tribunal de juger et de condamner les personnes qui étaient renvoyées devant le tribunal. Sous haute surveillance, le procès peut enfin s'ouvrir à Ajaccio. Francis Marianne comparaît seul. Derrière le box, blouson en jean, crâne rasé. Le restaurateur qui avait signalé les faits, qui avait permis à la gendarme de venir, quelques jours après dans la presse, avait écrit que c'est pas lui qui avait signalé les faits, qu'il n'avait rien à reprocher à Francis Mariani. Et c'était un courrier, une lettre ouverte dans la presse qui était parue quelques jours après, ce qui démontre quand même la capacité nuisance de Francis Mariani et de sa bande à l'époque sur la population, sur les Corses, sur les gens qui souhaitent, comme vous et moi, vivre normalement dans cette belle île. La Brise de Mer, c'est de la pipette, déclare Francis Marianne. Il est condamné à 4 ans de prison. La justice espérait taper plus fort. Et c'était un procès extrêmement dur, difficile, lourd. Et Francis Mariani, à l'issue du procès, s'est levé. Et une fois que la condamnation est tombée,
m'a montré du doigt en me menaçant et il est parti à la maison d'arrêt d'Ajaccio. Incarcéré à Ajaccio, puis à Borgo, c'est là que Francis Marianne y rencontre Claude Chaussat, un petit voyou qui deviendra son homme de main. Tout le monde savait que Francis Marianne y arrivait à Borgo. Bon, moi, je le connaissais du milieu des rallyes. Je pense que c'est ce qui nous a rapprochés, des photos de rallye dans ma cellule, des discussions autour du rallye, et ensuite une confiance instaurée de jour en jour, parce que les parrains en prison, ils veulent bien, ils veulent un confort, ils veulent des téléphones, mais ils veulent pas se faire attraper avec, donc il y a toujours des tierces personnes qui leur rendent service pour pas leur faire prendre de risques, et je pense que c'est comme ça que Francis m'a fait confiance. Francis Marianne sort de prison quelques mois plus tard. En ces années 2000, la plupart des membres de la Brise de Mer sont devenus des notables. Richard Casanova, lui, est toujours en cavale. On le voit voter. Il fait des affaires en Afrique, sans en faire profiter ses amis. Il s'est rapproché de Michel Thom, empereur des Jeux. Le nom de Richard Casanova a été retiré du fichier du grand banditisme. Il y a eu une décision de la direction centrale de la police judiciaire à la fin des années 90, début des années 2000, de retirer un grand nombre, notamment de noms de barons de la Brise de Mer, de la liste des fichiers du grand banditisme en France, dans le cadre d'un, a priori, d'un deal. C'est-à-dire qu'on voyait bien qu'il n'y avait aucune raison objective de retirer ces noms-là. En revanche, concomitamment, c'est vrai que la police judiciaire avait reçu un certain nombre d'informations sur les activités, les tenants, les aboutissants, les rôles d'un certain nombre d'individus au sein du mouvement nationaliste clandestin. Complicité au sein de la police, enquête bloquée ou sous pression. Paravent nationaliste, la Brise de Mer a construit un empire grâce à l'impunité dont elle a bénéficié. Il y a d'un côté une criminalité extrêmement organisée, intelligente, fine, avec de gros moyens, et de l'autre côté, des institutions faibles, mal organisé, manquant de moyens, et donc, en quelque sorte, une lutte inégale sur le terrain entre les uns et les autres. Le 3 mars 2006, Richard Casanova est arrêté. C'est à ce moment-là que la Brise de Mer va basculer. Entre Francis Marianne et Richard Casanova, l'entente n'a jamais été au beau fixe. Lorsque Francis Marianne était en prison, pour Francis, Richard en a profité pour essayer de reprendre le contrôle et d'être un petit peu le chef de groupe. Et Francis, qui était un caractère très fort, ne voulait se laisser contrôler par personne. Francis Marianne profite de l'incarcération de Richard Casanova pour reprendre les rênes. À Porto-Vecchio ou sur la Côte d'Azur, il compte s'imposer à la tête de promotions immobilières ou de discothèques. La mort de Jean G. Colonne, le parrain de la Corse du Sud, a aiguisé les appétits. Et la guerre approche. Novembre 2007, Marianne échappe à la mort. Un miracle. Il doit sa survie à sa Porsche, que l'on voit ici en photo dans un procès-verbal. Marianne est persuadée que le coup vient de Richard Casanova et de ses proches. Richard Casanova a été assassiné alors qu'il sortait d'une concession automobile. La victime, âgée de 49 ans, est présentée comme étant une figure du grand banditisme. Le 23 avril 2008, Richard Casanova sort de sa voiture.
un tireur caché derrière un muret fait feu. Dans son 4x4 Toyota noir, les policiers trouvent une carte magnétique d'accès au domaine de Mourtoli, ce site prestigieux entre eau translucide et chêne vert où se pressent stars du showbiz et ministres. Richard Cazenove a-t-il investi l'argent de la Brise de Mer dans ce domaine ? La juridiction interrégionale de Marseille ouvre une enquête pour faire le point sur le mode de financement. Elle sera classée sans suite. La tentative d'assassinat contre Francis Mariagne, la mort de Richard Cazenove, provoque la guerre. D'un côté, Jean-Luc Germagne, le beau-frère de Richard Cazenove, et de l'autre, Francis Mariagne et ses fidèles. Le 12 janvier 2009, la police est appelée après l'explosion d'un hangar perdu dans une plaine près d'Aléria. Il découvre deux corps calcinés. Il faudra plusieurs heures pour les identifier. Il s'agit de Francis Mariagne et de l'un de ses amis. Ils ont été tués par une bombe télécommandée. Les piliers de la Brise de Mer, proches de Francis Mariagne, sont abattus les uns après les autres. 10 février 2009, Pierre-Marie Santucci est touché d'une balle en plein thorax. Le 15 novembre 2009, Francis Guazzelli tombe dans un guet-apens. Aucun crime ne sera élucidé. Depuis le début de l'année, on a quand même beaucoup de grandes figures qui sont décédées. Hein. Entre Francis Mariani, Santucci et d'autres. Donc bon, effectivement, ça s'inscrit probablement dans une certaine continuité, malheureusement. Une guerre au nom de la vengeance, mais aussi du pouvoir et de l'argent. Les héritiers se dispute à présent le contrôle des cercles de jeu à Paris. Le Wagram, un haut lieu du poker près de la place des Ternes. Germagne et son équipe veulent reprendre à Angelo Guazzelli, le frère de Francis, l'établissement qu'ils considèrent à eux. La police assiste presque en direct à un coup de force. Deux procès auront lieu et le cercle sera fermé. Quant à Claude Chaussat, l'homme à tout faire de Francis Mariagne, il est arrêté près de la frontière suisse le 3 septembre 2009. Il décide de tout raconter à la police. C'est lui qui a permis de lever le voile sur la fin de la Brise de Mer. L'ancien lieutenant de Francis Mariagne est condamné en novembre 2019 pour complicité de l'assassinat de Richard Cazenove. La justice française aujourd'hui l'a condamné à 8 ans d'emprisonnement, donc même pas une peine criminelle, alors qu'elle lui a dénié le statut de repentir, alors qu'elle lui a dénié le statut de collaborateur de justice. Il est le complice d'un assassinat que nous avons discuté, qui se discute, mais le verdict populaire est ainsi fait qu'il doit être respecté et nous le respectons. La Brise de Mer, qui dominait le banditisme depuis 30 ans, s'est écroulée sous le poison des rivalités et des égos. La vengeance peut attendre parfois des années. Le 5 décembre 2017, sur le parvis de l'aéroport de Bastia,
Antoine Kilikine et Jean-Luc Codachogne, deux piliers du clan de Germagne, tombent sous les balles d'un fusil d'assaut. Deux hommes masqués les attendaient à la sortie, une opération parfaitement préparée. Cinq jours plus tard, Richard et Christophe Guazzelli, les fils de Francis, sont arrêtés. La police les surveillait depuis plusieurs semaines. Jacques Mariagne, orphelin lui aussi, l'enfant terrible du banditisme, est également mis en examen dans l'enquête sur le double assassinat de Porrette. Les enfants de Francis Guazzelli, le fils de Francis Mariagne, se sont organisés pour venger leur père. Ils ont, oui, mis en place des trafics, mais leur but n'était pas de faire de l'argent, leur but n'était pas de prospérer en tant que nouveau groupe criminel, leur but était simplement la vengeance de la mort de leur père. On peut peut-être parler d'une nouvelle génération, mais qui n'a pas du tout la forme et l'organisation qu'a eu la Brise de Mer depuis le début des années 80. On est aujourd'hui face à quelques héritiers, donc en fait qui revendiquent un nom de famille, l'héritage de la bande, mais qui ne sont pas aussi structurés. Quand on voit que les enfants justement des barons de la Prise de Mer, comme les, par exemple les fils Guazzelli, qui sont aujourd'hui poursuivis en prison et poursuivis pour le double assassinat de l'aéroport de Bastia, vous voyez qu'il y a une dimension quasi mystique, quoi. C'est-à-dire que quasi romantique. Je vengerai mon père, c'est l'honneur de mon père que je dois venger. C'était des princes, maintenant on parle mal d'eux. Donc ce sont ces considérations-là qui vont mener finalement à des assassinats, à du trafic de drogue pour financer finalement la vendette, etc. Donc la Brise de Mer est... Oui, elle est morte. Mais le crime organisé et l'emprise de la mafia en Corse, c'est loin d'être fini. Certains membres de la Brise de Mer sont toujours vivants aujourd'hui. Ils sont devenus des chefs d'entreprise et continueraient à percevoir les revenus de la fortune commune. La Brise de Mer des années 80, celle des braquages et des casses spectaculaires, n'existe plus, mais elle a laissé son impact. L'impunité dont elle a bénéficié a pu laisser croire aux nouvelles générations que le crime pouvait payer. De nouvelles bandes criminelles ont pris sa place, perpétuant les mêmes méthodes, pénétration de la police, de la politique, de l'économie, circuit de blanchiment et violence.